Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation exclusive du mode ACFL 2018. Nous sommes sur Assetto Corsa bien sûr et ceci n'est pas un test mais bel et bien une preview. Alors le principe est simple, je vais vous proposer quelques plans de ce mode que j'ai eu la chance d'obtenir de la part des développeurs que je remercie une nouvelle fois de m'avoir confié en avance le contenu de cette nouvelle réalisation. Alors c'est un mode qui sortira officiellement en version 1.0 à partir du 22 mars 2018. C'est un mode qui est payant évidemment, qui reprendra pas mal de choses nouvelles par rapport à ce que vous avez connu dans le mode 2017. Alors on va faire une liste à peu près exhaustive de tout ce qu'il y aura de nouveau et des premiers ressentis que j'ai eu sur cette version bêta 0.4 qui est évidemment assez loin de ce que vous pourrez avoir dans la version complète. Tout d'abord, si on jette un œil aux paramètres spécifiques du mode, on peut trouver les gestions habituelles de la voiture, comme par exemple le moteur, le choix de pneus, etc., les suspensions. Mais il y a un onglet, comme l'année dernière, entièrement dédié à la gestion de la récupération de l'énergie, qui est bien sûr géré ici, avec le MGUH, le MGUK, etc. Donc si vous voulez une voiture avec plus de régénération, plus puissante, plus souple, vous pouvez adapter tout ça. Et le reste est également disponible, donc répartition de freins, dureté des suspensions, aérodynamisme, etc., etc. Alors, parmi les éléments intéressants à suivre, il y a donc la gestion complète du MGUH et du MGUK qui est visible à l'écran, donc sur le HUD du jeu. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fois très très bien réalisé. Au niveau de la gestion des pneumatiques, vous avez l'ensemble des gommes 2018. Alors vous avez en parallèle du mode un petit launcher que vous voyez actuellement à l'écran qui vient en parallèle du setup. Et vous avez, voilà, la possibilité de changer la couleur entre les ultra, les méga soft, les méga hard, enfin bref. Vous pouvez adapter la couleur et la physique aussi, ça va changer un petit peu au niveau du comportement, mais sachez que dans le jeu vous pouvez aussi changer vraiment le comportement des pneumatiques au moment de lancer votre course. Alors nous avons dans ce mode, alors je vais y aller assez rapidement, 10 modèles réalisés, c'est-à-dire que toutes les voitures ont leur propre modèle 3D, ce n'est pas des skins sur un seul et unique modèle. Chacune des voitures dispose de son volant officiel, c'est-à-dire que ce n'est pas le même volant collé partout. Et sur les volants, il y a des variations au niveau du display, donc c'est pas toujours non plus le même affichage. Vous voyez que l'ensemble des voitures de l'IA et du joueur sont en train d'évoluer avec le Halo, donc la nouveauté de cette saison. Le mode vous permet de rouler vous-même avec ou sans le Halo. Alors vous allez voir des plans en vue embarquée, comme par exemple ici, voilà, avec l'Alfa Romeo. C'est pilotable, il faut simplement régler la hauteur de votre caméra, donc avec une caméra un peu plus haute. C'est assez sympa. Là, vous avez que des plans avec la caméra d'origine, évidemment, je n'ai rien modifié. Donc les voitures 3D sont bien réalisées, le sentiment de visibilité avec le halo est bien retranscrit, notamment quand on attaque des virages comme le rayon de l'eau rouge, c'est vraiment vraiment pas mal. Au niveau des caméras, là aussi il y a un gros travail de possibilités de caméras qui vous permettent de trouver à peu près de quoi piloter. Alors certes, il y a des caméras de base qui sont un petit peu excentrées par rapport au cockpit, comme ce qu'on peut voir actuellement en Formule 1, et c'est un petit peu moins pilotable, mais la vue sur l'arceau n'empêche pas de placer les roues convenablement malgré la présence du halo dans votre champ de vision. Donc quoi qu'il arrive, le halo n'est pas forcément gênant, et ça c'est plutôt quelque chose de correct. On ne savait pas ce que ça allait donner, là vraiment, voilà, on a une bonne idée, même si on a pu tester notamment sur à l'époque le jeu Automobilista ce que pouvait donner le halo. Nouveauté dans ce mode également, les sons qui ne sont pas encore terminés dans cette version. Il manque, je crois, notamment la version définitive du moteur Renault et du moteur Honda. Mais sachez que les 4 blocs présents en Formule 1 auront leur son spécifique. Vous avez également la possibilité de choisir donc chacun des pilotes. Les casques sont retranscrits, bien sûr. Quelques petites nouveautés donc dans ce mode, notamment des choses comme la possibilité de régler les rétroviseurs, la possibilité donc de rouler avec ou sans le halo, la sortie de sparks, donc des étincelles qui viennent lorsque vous roulez taper sur le sol, donc il peut y avoir des gerbes d'étincelles. Alors c'est pas encore présent dans ce mode-ci, mais c'est possible d'avoir des sorties d'étincelles quand la voiture touche le sol avec le fond plat. La hiérarchie est respectée, c'est-à-dire que si vous faites une séance qualificative dans le jeu, la hiérarchie est plutôt bien respectée, même si c'est encore à travailler. Là, vous allez avoir des courses qui ont été faites sans qualification quasiment. Donc vous allez souvent avoir des McLaren devant, etc. Mais globalement, c'est plutôt bien géré. La réalisation des voitures est correcte donc. Le son est convaincant, hein, avec le son de la récupération d'énergie.
ça, ce sifflement des V6 hybrides. En tout cas, c'est tout à fait correct au niveau du son, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, c'est très propre. Au niveau des sensations, et c'est là que pour l'instant, j'ai la meilleure surprise. Et honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, il va y avoir le mode hybride 2018 que Racing Studio va sortir dans quelques semaines également. Ce sera intéressant de comparer l'évolution. Par rapport au mode 2017, ici, j'ai vraiment trouvé un peu plus de logique dans le grip. C'est-à-dire que en 2017, il fallait se battre avec les réglages pour obtenir quelque chose qui pouvait tenir le parquet. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus intuitif au niveau du comportement et de la physique des voitures. Bon, faut dire, j'ai roulé avec des pneus très tendres également. Mais on a un force feedback précis, comme l'était celui de 2017. Mais on a surtout les informations dans le comportement de la voiture qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus sympas et meilleures que ce qu'on peut avoir évidemment sur un F1 2017, je pense, vraiment, clairement. Après avoir comment gérer les températures de pneus, etc., etc. Mais avec usure de carburant, etc., on sent vraiment évoluer la voiture dans les courses. Pour avoir fait une bonne course d'une heure avec une des voitures, pour voir un peu vraiment comment ça évolue. Entre la dégradation des pneus et la consommation de carburant, le comportement change du tout au tout. Donc c'est vraiment très très bien fait une nouvelle fois à ce niveau-là. Les défauts, alors pour l'instant je n'ai pas vu réellement de gros défauts sur les force feedback, les comportements, etc. Si ce n'est peut-être que sur certains circuits, l'IA est un petit peu en difficulté. Alors c'est dû en partie évidemment au jeu, ça n'est pas dû au mode. Sachez que les soucis que j'ai eu avec l'IA sont survenus sur des circuits officiels du jeu, donc ce n'est pas des circuits modés. Donc notamment le premier droit en Autriche où au départ on a des voitures qui partent en tonneau carrément. Donc ça, à surveiller s'il n'y a pas quelque chose encore à adapter. Particularité également de ce mode, donc c'est qu'il est payant. Vous pouvez le retrouver en précommande encore jusqu'au 22 mars pour la somme de 8€ je crois. Et nouveauté en plus, cette année, le mode est sorti pour la première fois sur Air Factor 2. Alors je n'ai pas encore le mode à disposition, je verrai si plus tard je peux vous en faire une vidéo. Ce sera intéressant d'ailleurs de retourner un petit peu sur Air Factor 2, un peu absent sur cette chaîne YouTube. Mais on a désormais la sortie du mode sur Air Factor 2. Et on sait tous qu'Air Factor 2, en termes de gestion de pneumatique et de physique, il est quand même le plus avancé de loin, avec peut-être iRacing évidemment, sur cette gestion-là du comportement d'une voiture. Donc effectivement, j'ai hâte de tester ce mode, si j'en ai la possibilité, sur Air Factor 2, pour vraiment avoir des sensations sous la pluie par exemple, etc. J'ai hâte de voir ce que la physique donnera à ce stade-là. Voilà, donc je rappelle que donc il est disponible en précommande dès maintenant. Une fois sorti, je crois qu'il sera proposé au montant de 13€ ou 14€. Alors effectivement, certains vont déjà crier au scandale dans les commentaires en disant « Ah mais ça ne va pas être payant, etc. » Bon, c'est un débat qui sera toujours animé de tel pain au chocolat et chocolatine que l'on ne va pas entamer ici de toute façon. Mais quoi qu'il arrive, il y a du travail. Il y a énormément de travail. Il y a 5 personnes qui ont bossé sur ces voitures. Donc que ce soit en sound design, que ce soit en physique, en 3D, en skin. Vraiment, c'est un travail d'une petite équipe française, de gens qui peuvent vivre de ça, il faut le préciser aussi. Donc ce n'est pas un mode fait par une grosse boîte, un mode piraté, etc., etc. En tout cas, moi, de ce que j'en sais, ce sont des gens qui vivent de leur passion. Donc si vous êtes intéressé par un mode de qualité, ce serait peut-être intéressant de peser le pour et le contre entre l'achat d'un mode comme celui-là pour un jeu que vous avez déjà ou l'achat d'un éventuel jeu de Formule 1 dédié. Puisqu'ici, il ne manque rien. Si vous jouez sur Air Factor 2, vous aurez même la jouissance de pouvoir rouler avec des courses sous la pluie. Donc vraiment, vous aurez tout ce qu'il faut. Safety car, etc., etc. Donc, au niveau du contenu, de la physique, de l'ambiance, tout est pour moi très correct et très agréable. Et le prix est pour l'instant justifié. Je vous ferai un test complet, il y aura des on-board qui sortiront. Mais sachez que si vous passez aujourd'hui à l'achat de ce mode, vous allez tout simplement récupérer la possibilité de voir le mode évoluer gratuitement toute l'année. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis le mode, vous allez recevoir par mail, je pense, une notification vous indiquant voilà, il y a une mise à jour, il y a une mise à jour de la physique, de la 3D. Et il faut savoir que si quelque chose change au fur et à mesure de la saison, au mois de mai, juin et jusqu'au mois de septembre, octobre, le mode sera évolué. Si la hiérarchie bouge, si par exemple McLaren se met à gagner des Grands Prix, eh bien ce sera réévalué dans le mode. C'est-à-dire que tout sera retravaillé tout au long de la saison. Vous n'achetez pas un mode à un instant T qui n'évoluera plus jamais. En tout cas, je vais vous laisser profiter un petit peu du son de ces bolides et on se retrouve pour la conclusion. Thank you.
Voilà donc pour ces quelques moments en compagnie du son des moteurs de ces bolides. Je vous donne rendez-vous dans la description si vous souhaitez plus d'informations sur le site des développeurs. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité à cette chaîne. Si vous testez le mode, n'hésitez pas à me donner un ressenti également dans la description. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. Et à la prochaine. Salut !